0-0 entre le Danemark et la Belgique. La mauvaise relance des Belges, notamment de Denayer. L'occasion à venir pour le Danemark. La frappe et le but. Le but. Le but. Le but d'entrée. Incroyable. Poulsen qui croise sa frappe. La mauvaise relance de la défense belge. Et derrière, ça ne pardonne pas. Grosse occasion. Et premier but pour le Danemark. Le stade est en feu. Le Danemark mène à 0. Ben c'est ce qu'ils vont faire, voilà. Effectivement, les Belges ont le ballon, applaudissements dans les gradins. Et est-ce que les Belges vont sortir le ballon comme ce qui avait été plus ou moins convenu? Voilà. Tielemans lui fait signe, sort le ballon. En fait, ils ne le sortent même pas. Et même l'arbitre de la rencontre, c'est ça qui est appelé ça, Björn Kuipers, est en train d'applaudir. Écoutez les applaudissements du Parken Stadium. Tout ça, c'est pour Eriksen, évidemment. Personnes debout, quelques banderoles, de l'émotion partout, qu'ils soient belges, qu'ils soient évidemment danois ou même supporters venus profiter d'un gros match de l'Euro. C'est un moment fort, le ballon n'a pas été sorti finalement c'est monsieur Kuipers qui a sifflé et qui lui aussi aux côtés de Dries Mertens, aux côtés des Danois, est en train d'applaudir. 30 secondes d'intense émotion alors que le Danemark mène 1-0. 30 secondes dédiées. Grosse émotion sur le visage de Lukaku également, son partenaire en club. Hein. Jean-Louis ne part pas tout de suite parce que Lukaku, lui, est parti. En revanche, Lukaku qui va accélérer. Il va rentrer dans la surface. Lukaku. En retrait pour De Bruyne. De Bruyne, la frappe croisée. Au deuxième poteau, le but. L'égalisation. Et voilà. Jean-Louis Tour, il voulait pas Jean-Louis, tu voulais pas faire rentrer. Express de Thorgan Hazard. Kevin De Bruyne, passeur décisif, l'accélération de Romelu Lukaku, l'intelligence de Lukaku, l'intelligence de De Bruyne pour servir Thorgan Hazard qui n'est pas en position de hors-jeu. Et se mettre dans le sens du jeu, quel énorme Lukaku. Oh ouais, le 1-2, pourquoi pas avec Tielemans, pied gauche désormais vers Eden Hazard avec De Bruyne. De Bruyne la frappe pied gauche et le but. Oh, quel but. Énorme Kevin De Bruyne, énorme action, collectivement c'est magnifique, et la conclusion elle est extraordinaire, la frappe sèche, magnifique de Kevin De Bruyne, la Belgique mène 2-1.